Bonjour. Dans la même ordre d'idée que les triolets, dans les notes avancées, il y a ce que les Américains appellent la spit note. Pourquoi c'est spit note? Parce qu'il faut vraiment comme cracher l'air dans la peau pour la produire. On s'en sert quand? Les oiseaux, ils font quand? Ils vont souvent le faire, c'est une note très tragique. Ils vont souvent le faire en atterrissant pour demander de l'espace, ou ils vont le faire au sol avant de dire on aimerait mieux que tu ne viennes pas trop proche. Parce qu'oubliez pas, les bernaches, ils sont grégaires, mais ils sont très territoriales entre les groupes aussi. Donc, on va s'en servir de cette façon-là. Il arrive un des oiseaux, vous les avez appelés, double cloque, il hésite, on va lui lâcher une coupe de spit note. Souvent, ça va être des. Vous allez dire, ouais, mais là, tu fais un appel qui est territorial à des oiseaux que tu veux qu'ils viennent. Oui, mais souvent, à la fin de l'automne, c'est des vieux oiseaux, puis ça va les intriguer. Ils vont venir voir que c'est que ces oiseaux-là veulent défendre ou protéger. On l'utilise comme ça. Vous avez l'attention, vous revenez à des notes normales. Ça, c'est comme ça qu'on utilise. Non, c'est une note tragique. Maintenant, comment la faire? C'est une autre technique. Là, la pression d'air va être bâtie en arrière de votre palais. La langue va se placer en arrière de vos dents d'en haut. Et là, vous mettez toute la pression que vous pouvez dans la peau. Si je le fais, pas de pression de retour. Ça sonne comme ça. Il faut faire distorsionner la peau pour faire cet appel-là. Si je fais à tout, tout, c'est ça le mot-clé, tout, tout, la langue à l'avance, puis elle recule vers le palais. Ça sonne comme ça. Si je rajoute la pression de retour, c'est comme ça qu'on fait la spit note, il n'y a pas d'autre façon. C'est tout route, puis c'est vraiment toute la pression que vous pouvez mettre, vous la bâtissez derrière la langue, puis vous la lâchez d'un coup. C'est pour ça que c'est comme une spit note. On lance le son à travers notre bouche.